on se retrouve aujourd'hui pour cette aventure sur Dragon Quest VII. J'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois, nous sommes laissés encore une fois, hein, décidément à la baie d'Albin. Décidément, on change jamais d'endroit. Hein. C'est vraiment notre endroit préféré. Hein, voilà, la baie d'Albin. Et donc, on avait fini un petit peu tout ce qu'on avait à faire à pouce vert, hein, régler une petite histoire d'amour et tout. Maintenant, on doit, j'imagine, aller dans Pouce Vert dans le futur, parce qu'on a récupéré les morceaux de tablette qu'il y avait. Il y avait aussi un truc dans le passé, mais que j'avais pas visité, mais je sais pas s'il y avait des choses importantes. À la limite, je peux y aller. Ça m'embête, mais bon, on sait quoi, on va y aller quand même vite fait. C'était juste, voilà, parce qu'on avait fait visiter une grotte et tout, machin, voilà. Mais il y avait un endroit que j'ai pas visité. Donc, je vais aller checker vite fait. Et puis voilà, on va voir s'il y avait vraiment un truc ou pas, ou s'il y avait que dalle. Alors il y avait quoi ici? Il y avait une montagne, ok. Mais est-ce qu'on pouvait y aller sur cette fameuse montagne? Oh là là. Vous sentez le truc genre qui sert à rien? Eh ben je crois que... Je crois que c'est un petit peu ça. Hein. Et quoique... Ouais, là il y a de la zone, ok. Mais à part avoir une petite vue sur la mer, il n'y a rien. On est d'accord, il n'y a rien en fait. Donc on est d'accord que je viens ici pour rien. C'est bien de vérifier qu'il n'y a rien. Voilà. Ok, ben c'est super. Allez, on va rentrer. J'en ai marre. Allez, on va prendre le bateau, on va aller à Pouce Vert dans le futur. Enfin, dans le présent, du coup, plutôt, pas le futur, mais enfin, c'est le futur par rapport au passé, mais du coup, c'est le présent. Vous suivez ou vous suivez pas? Je sais pas. Du coup, c'est tout là-haut, ok. Ok, ok. Et il y a un point là-bas. Regardez, il y a un point là-bas, je sais pas ce que c'est. On va aller au point là-bas, vite fait. Alors, je suis pas débile, le point est là. Regardez, je suis dessus, mais il n'y a rien. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me dire, mais peut-être c'est pour plus tard, mais c'est bizarre quand même qu'il y a rien, en fait, ici. C'est très strange. Très bizarre. La carte m'indique un point, mais il n'y a rien dessus. Du coup, je suis... Je suis au bon endroit. J'ai l'air d'être au bon endroit. Ben, et là alors? Ah ben non. Ah mais d'accord, ok, là où il y avait tout à l'heure, là où je disais il n'y avait rien dans le passé, il y a un truc dans le futur. Alors attendez, avant d'aller là, j'accélère, hein, juste parce que je veux aller faire le truc normal, genre... ah oui, d'accord. Ah oui. Ah, déjà, il y a un fragment. Je vais récupérer tout de suite. Oui, oui, on a compris. Comment c'est ici? Pas beaucoup de visiteurs dans cet endroit. Ouais. Eh bien, moi j'ai raison. C'est effectivement le cas autrefois. C'est une ville par le passé. Plus que des ruines en décombres. Comment c'est le bled là? Attendez. Ruine de cœur fané. Ok, genre y a qu'un vieux et c'est tout. Ah bah... Seconde. Bah oui, c'est... Oui, non, mais si, c'était là. Oui. Ah, attendez, je vais... Il y a mon fauteuil qui se baisse. Décidément, c'est un peu chiant quand ça arrive. D'accord, bah oui, mais y a rien. Et on avait été tout là-haut dans la grotte. Qui se trouve au nord-est. Est-ce qu'il y a un truc... Bon, j'accélère parce que c'est toujours... voilà. Ah bah, il n'y a plus de grotte. Visiblement, sur la carte, là, on voit plus de grotte. On voit juste une maison. Est-ce qu'il y a un coffre? Je pense pas qu'ils vont mettre un coffre, hein, quand même. Et non, ils sont pas gentils, ils mettent pas de coffre. Oh, on voit là-bas, les trucs. Ok. Bon, déjà, il n'y a pas de monstre, ici. Alors, j'ai pas acheté d'équipement. Si je voulais d'équipement, bah, fallait aller dans le... Je passe comment? Voilà. Super.
La gargote. Gargrotte, pardon. C'est une auberge. Attendez, avant de parler au gars. Salut mec. 200 carbone. Jamais de la vie. Salut ma lapine. Pas de parler du tout puissant, du roi démon et ce genre de choses. On devrait parler au vieillard. Ouais. Mini médaille. Ça c'est cool. Qu'est-ce que ça me dire toi? Qu'est-ce que c'est? Pas beau que parler à l'instant, pas d'importance, mais comme vous avez entendu ce que je disais, je ferais bien de recommencer. Il y a ça très longtemps vivait un individu appelé le roi démon, également connu sous le nom de Orgodimir. Ce brigand a essayé de découper le monde en tout petits morceaux et de le sceller ces derniers dans les ténèbres des sabots pris. Oui, bah c'est un peu notre. Oui, bah c'est le cas hein, du coup. Quand j'ai un désastre. Il a déclenché désastre sur désastre, tout un tas de calamités, les humains étaient désespérés et le monde a commencé à sombrer dans le néant. Ce qui a fait était odieux. Quoi qu'il en soit, quand les actes sont parvenus aux oreilles du Tout-Puissant, lui et le Redémon sont engagés dans un combat sans merci pour la suprématie. Il a duré des centaines d'années, plusieurs esprits et héros légendaires ont combattu aux côtés du Tout-Puissant. Mais le Redémon a fait sa propre armée et il l'a utilisé pour mettre le monde en pièces. À savoir qu'il a emporté. Qu'il a. Que je sache, d'après moi, le Tout-Puissant et le Roi Démon sont épuisés. Bon, toute leur force, le combat les a exténués, empêchant de continuer. Ok, match nul. Ok. Match nul. Doki Doki. Bon, et écoutez, on va. Dis-moi que. Mais je peux pas me. TP au blé de moisi là-bas où il n'y a plus rien. Oh purée. Bon, voilà. Hein. Je sais, j'en abuse beaucoup, mais en même temps. Est-ce que j'ai le choix? Non, parce que ça met trois plombes. Mes persos, c'est des camions, hein, je vous rappelle. Et un camion, voilà. Alors ici, il y a une petite ville. Cœur fané. Ah, il y a un fragment en plus. Non, jardin de un cœur fané, mettant pousser les plantes, ok. C'est quelque chose d'étrange dans la région, il y a bien longtemps, bien avant ma naissance, une pluie grise s'est abattue, a transformé et tué les humains, ouais. La question qui m'intéresse le plus, c'est qui est arrivé à leurs vêtements. Ouais, bonne question. Ouais. Pareil que l'homme qui a créé ce jardin aux herbes était un travailleur acharné. Peut-être, ouais. Merveilleux, infusion, jamais rien, ok. Bon bah, Florian, il a réussi alors à créer son truc. Magasin d'objets. Eau sacrée, hein, vous savez que ça sert à rien, l'eau sacrée. Que de lapin, c'est bien pour le style, mais... parvient à construire une maison comme celle-ci. Ouais. Le vieil homme qui par la calamité s'est abattu sur Philitophine. Réservé en ville avec son jeune compagnon, le vieil homme a raconté comment la pluie maudite s'est abattue sur sa maison. Mes habitants ne l'ont pas cru et l'ont traité de vieux chantre de malheur. Trouver une ville connue dans le monde entier, ouais. Vraiment une bonne chose, ouais, ok. Bon, c'est pas des gros trucs, des gros dialogues, hein. Je lis pas tout parce que sinon je mets 3 heures à chaque fois. C'est vrai que j'aimerais bien. Paf. Je sais que les grosses vidéos, hein, les épisodes qui durent plus de 30 minutes en général, voilà, les gens, je sais qu'ils ont un petit peu plus de mal, donc pour ça j'aimerais bien faire un truc pas trop long, même si bon. Au final, je dis ça et à chaque fois. Le problème c'est que
Voilà, un jeu comme Dragon Quest 7 ou Hubert, l'héros de notre temps, volume 3. Vous faites pas grand chose en fait en. Dans Dragon Quest 7, en 20 minutes, vous faites quoi? Bah rien. Après, faut découper, mais c'est pareil, il y a des trucs que je peux pas trop découper, donc c'est un peu compliqué. On va aller dans la maison, la grande maison. Salut là. T'as prestige, je suis épuisé, mon patron m'a couru après toute la matinée. Oh. Ouais, un trésor. Bon sang, j'y suis presque. Y'a pas de... Non. Allez, on va utiliser secret de famille. Le nom du clan Salvio, génération après génération, c'est l'arrogance, la cupidité, la décadence. Ah ouais, c'est super sympa. Hein. Ouais, ok. Je peux rentrer? Oui, je peux prendre. Paire de boucles d'oreilles. 250 pièces d'or. Et bah voilà, franchement c'est bien ça. J'aime bien quand ça se passe comme ça, que je peux piller des choses comme ça tranquillement. Elle est en train de dormir donc je peux le voler. On va la déranger dans son lit pendant qu'elle dort. Je suis sur les rotules. Ah ouais. Bonjour. Oh, il fait... Porte Jartel. Oh là. Qu'est-ce que ça faisait là? Qu'est-ce que ça faisait là? Hein? Dites-moi. Expliquez-moi. C'est à toi les Porte Jartel là? On peut dire que je ne manque pas d'exercice. Ok, et tu fais quoi? Tu me prépares un bain, c'est ça? Non? Je sais pas. Ah oui! Fragment de tablette. On aime, hein. Ça on aime. Fragment jaune. Je vais où là? Attention à lui, c'est le patron, il aime s'habiller comme un caïd pour courir après les femmes de chambre. Ok, c'est ouais. Oui. Mais... Je parle à toi. Viens un peu par ici, ah. Attendez, on va le bloquer. Et du coup, voilà. Il a l'air con comme ça. Et du coup, là, je monte et puis je vois la vue. On va aller là-bas, là, de l'autre côté. Il y a un truc, j'imagine. Et puis ensuite, on va pouvoir... J'aurais dû passer par l'extérieur. Quel con. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'imagine qu'il y a un truc derrière. Est-ce qu'il y a encore des fragments? Je ne sais pas, par contre. Je suis une religieuse du couvent sans regret. Vous voulez nous rendre visite? Et qu'à suivre le chemin au sommet. On va aller au couvent? Sentier de la montagne. La la la. Est-ce qu'il y a des monstres ici? Je pense pas, hein. Oh, par contre, elle est défoncée. Votre maison, là. Elle fait peur? On se croirait dans les cabanes qu'il y a dans Alan Wake, pour ceux qui ont regardé mon let's play dessus. Je vous invite à regarder d'ailleurs. D'ailleurs, si vous avez suivi un petit peu les annonces, il y aura le 2 qui va sortir cette année. 17 octobre, que je ferai évidemment, sur PS5. Voilà. Ça c'est dit. Je le ferai. Faut pas déconner non plus. Hein. Je l'attends avec impatience, le 2, donc depuis des années. Donc... Je vais le faire. Non, attendez, parce que là, il y a... Ça va un peu partout, là. Ouais, il y avait un coffre. On va récupérer le coffre, quand même, on n'est pas des... Hein,
On n'est pas des méchants, nous, on est des gens bien, et les gens bien, ça récupère les coffres. 100 pièces d'or, mais en vrai, ça se prend, hein. Non, parce que l'autre, là, avec sa chambre à 240 pièces d'or, enfin, sa nuit à 240 pièces d'or, franchement... L'argent gâché, ça. Droite. Ah. Ok, donc là, il y a une grotte. Ah, il nous faut une clé. Vraiment? Alors, attendez. On va aller dans la grotte, quand même. Mais il nous faut une clé. Une clé du voleur, j'imagine. Crottin de cheval, merci, c'est... Je... Rien m'étrange, c'est bizarre, les mettre une douce sueur. Ouais, c'est bizarre. Il y a peut-être un truc à faire avec ça. Chapeau à pointe. Il n'y a pas un truc comme ça au pif. Hein. Si c'est mis là, c'est qu'il y a forcément un truc, je pense, avec ça. À faire. Allez, on va continuer. Couvent sans regret. Ouais, ok. Je vais d'abord le tour, Alexa. Maintenant, les jours se suivent et se ressemblent. Oui. C'est triste, hein. Filito examine la tombe. Seul le nom est lisible. Florian, il est inscrit. Oh, Florian. La vue, elle est sympa, quand même. On est haut, hein. Ne me demandez pas pourquoi ces tombes ont été creusées au bord de la falaise. Elles étaient ici bien avant mon arrivée. Seul le nom est lisible. Lavande, il est inscrit. Oh, Florian est parti avec Lavande du coup. Lavande l'a rejoint. Elle est pas restée avec l'autre Gugus. N'hésitez pas à faire un tour. Bon, on peut pas vraiment lire les noms, j'imagine. Bon, y'a rien. Madame? Mais non, mais je veux parler à la madame. Non, mais oh. Puiser de l'eau est pénible. Un homme robuste a besoin. Eh bien, tu as frappé à la bonne porte. Vous avez cru que j'allais dire mauvaise, hein? Ben non. La viande se met à tomber du ciel. Oh. Y'a moyen. Y'a moyen. Y'a moyen. Ouais. Toi, c'est pour... Je peux confesser, j'imagine. Eh ben non, même pas. Oula, y'a du livre, ici. Ils ont pris de la reine, vraiment du roi. Ainsi donc, tu vas tous nous sauver. Oh, justement, j'aurais besoin d'un héros. Base de plantes, ok. J'ai vu le mal. J'écris ici pour éviter à d'autres de connaître ces horreurs. Je prie pour que personne ne reproduise jamais. Personne ne... Je veux le mal, la vider le ciel de sa lumière. Ah. Salut madame. Certains éléments du passé... Ouais. Et là c'est pour sortir, hein. Ouais, d'accord. Ouais. Je vais quand même monter. Capuche. Oui, il y a un pot. Et il y a un autre pot. Et il y a une madame. Madame. Épuisé voyageur des arbres passer la nuit. Allez. Est-ce qu'il va se passer un truc? Je ne sais pas.
Ah non, c'est juste... Ok. Il n'y a pas d'événement, rien. Ok. Donc là, concrètement, ici, il n'y a que dalle. Et toi, je... c'est con parce que je peux même pas... Ok, je peux pas sauvegarder et tout. D'accord. Je sais pas là, toi. Ah si, c'est elle. Ok. Ouais, je peux me confesser à la limite. On va, comme d'hab, ici. Oui, allez, hop. Bon, mais écoutez, visiblement, il n'y a rien. Donc, on va se barrer. Je pense avoir tout visité ici. Si jamais j'oublie un truc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais à mon avis, non, je ne pense pas. Allez, magie, teleportation. On va aller... Sanctuaire. Hop. Tout droit. Chut. T'as vu ça, la vitesse? Allez. Du coup... J'ai des choses. Déjà, on va mettre le jaune. À mon avis... Alors, j'imagine qu'il va là, peut-être. Ouais. Donc ça, ça sera pour plus tard. Donc... J'ai le vert. Ouais. Alors, ben, j'imagine que c'est ici. Et oui. Allez. On va commencer une nouvelle île et puis... Moi, je suis déjà à 23 minutes, hein, quand même. C'est un gros truc de dingue. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'obscurité, comme d'habitude. Il y a un Digimon derrière moi, non? Ah non, j'ai cru que c'était un Digimon. Y a pas un petit coffre là-bas au bout? Bah non, ça serait gentil de me donner un coffre. Alors, est-ce que je dois aller dans l'espèce de Tipeee qu'il y a là-bas? Ouais, dans l'espèce de Tipeee. C'est sombre, hein. C'est l'obscurité. Ah, j'ai des vagues souvenirs de ça. Camp des pérégrins. Ah ouais! Vague souvenir! Vague souvenir, camp des pérégrins. Alors, attendez, si je dis pas de conneries, je crois qu'on va rencontrer une fille. Chut, y'a pas de bruit, ce n'est pas le moment de parler. D'ailleurs, on ne parle pas du tout, personne ne saura que je suis ici. Douce Lala, quand tu danses, tu fais fondre mon cœur. Ou t'es un pervers en fait. Par contre, il y a des morceaux de tablette, ça c'est cool. Oh oui, donnez-moi. Voilà, je pille les gens. Encore. Ben, on s'en fait des mini-médailles, c'est la troisième en 20 minutes. Salut. J'ai rentré, évidemment. Tu peux s'enfermer depuis cette temps immémorial, nous autres les pérégrins. Et nous autres les pérégrins. Non, étant fermé. Ouais, ok. Et nous autres, les pèlerins. On me semble de le délivrer. Un kinès avec un grand pouvoir. Un hôtel. Quelque part dans ce monde, c'est là que le tout-puissant est enfermé. Ok. Donc ils veulent libérer le tout-puissant. Oh les chevaux. Je veux dire les toutous. N'importe quoi. Oh oui. Voilà, je vais prendre ça. Fragment bleu, c'est pour moi. Merci. Vous êtes très gentil de le laisser là comme ça. Salut. Le rituel prend plus de temps que d'ordinaire. Juste que Lala n'a pas trop de pression sur ses frères et les épaules. Bah, je sais pas. Va toi, Zuzu. Bon que l'esprit de la terre. Un esprit parmi quatre autres dans le monde avant que tout puissant ne soit enfermé il y a bien longtemps. Voilà, faut trouver Lala en fait, c'est ça. On va trouver Lala. Lala.
Alors, toi, t'es quoi? T'es qui? La nourriture et l'eau se font rares. Un petit gars. Pour là là. Ok. Oh, je ferai rien de mal, promis. Jamais je ne toucherai au sistre de Django sans sa permission. Tellement honoré qu'il a accepté de m'apprendre à jouer. Bah ok. Attendez, j'ai tout fait là? Non, il y a ça. Bah ouais, je t'ai pillé, écoute. J'avais le droit, non? Quand même. Alors. Tiens, tiens, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu de gadget. Pareil, c'est étrange que vous ayez choisi cette nuit en particulier. En effet, ce soir que nous allons choisir qui sera la prochaine danseuse du clan. Mais aucun doute que c'est Lala qui sera choisie. Rome Barreau connaît son talent. Ok. On n'est pas allé dans la grande tente, je crois. Ici. Bah ouais, non, on n'est pas allé. Attendez, vous ne faites pas partie du clan, pas vrai? Eh bien, je n'imaginais pas tomber sur des gadgets par ici. Qu'est-ce que ça signifie, gadget? Oh, c'est comme ça que les pèlerins appellent ceux qui ne font pas partie du clan d'habitude. On déroule le tapis rouge aux étrangers. Mais nous sommes au beau milieu d'un important rituel. Vous allez devoir attendre qu'il soit... Ah, en fait, je crois que le rituel est en train de s'achever. Reculez un peu. Et voilà, le rituel est terminé. Oh, on se met tous en ligne comme ça. On a l'air con. Chapérin, rassemblez-vous. Aujourd'hui, c'est un jour placé sous d'heureux auspices. Une nouvelle danseuse a été désignée. Avance là. J'appelle Grain, Lala est notre nouvelle danseuse, et c'est elle qui va nous guider vers un avenir meilleur. Viens, Django, place-toi à côté de Lala. Django, tu as montré que ton jeu était pur et que tes notes sonnaient justes et vraies. De concert avec Lala, vous devrez guider les pèlerins vers leur destinée. Je fais de mon mieux, Madame Rosa. Mes chers pèlerins, l'heure est maintenant à la fête. Amusons-nous jusqu'au petit jour. Buvez, dansez et soyez heureux, car notre avenir s'annonce radieux. Ok. Désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps. Je vais maintenant pouvoir vous présenter à Rome Barreau et à Madame Rosa chez moi. Ok. Kidoki. Rome Barreau, Madame Rosa, j'ai des gadgets à vous présenter. Ils sont arrivés en plein milieu du rituel. Ah bon? Alors, nous avons de la visite. Quelle agréable surprise, c'est rare de voir des gadgets dans ces montagnes de nos jours. Ça fait combien d'années que nous n'avons pas croisé de voyageurs sur la route Bomjaro Rambaro, pardon. Alors Rosa, ne tirez pas de conclusions hâtives. Comment pouvez-vous être sûr que ces gadgets sont de simples voyageurs? Peut-être des monstres qui ont pris une apparence humaine. Des monstres? Rambaro, vraiment? Dites-moi, gadget, allez, de quoi prouver que vous n'êtes pas des monstres? Oui. Est-ce que vous pouvez me montrer cette preuve? Oui. Mais le groupe n'a pas de quoi le prouver. Me dire que vous détenez une preuve et que ce n'est pas le cas est bien suspect. Allons, ça suffit, Rombaro. Ces voyageurs sont sûrement trop fatigués pour jouer à votre petit jeu. Ah bon? Dommage. Excusez le comportement de Rombaro. C'est un farceur dans l'âme. Nous savons bien que vous n'êtes pas des monstres. Allez, soyez les bienvenus parmi nous et acceptez la bénédiction des pérégrins. Nous ne pouvons pas vous recevoir dans les meilleures conditions ici, au milieu des montagnes, mais j'espère que vous appréciez le temps que vous passez avec nous.
S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous adresser à Rambaro ou moi-même. Mais déjà, est-ce que je peux piller vos coffres? Évidemment, c'est verrouillé. Évidemment, putain, il me faut une clé. Ah non, ça c'est bon. Graine de vitalité. C'est bien ça. J'ai deux graines à donner d'ailleurs. La thune. Wow. La thune, vive la thune. 5 pièces d'or. Un de pour cette coin un peu spécial. Ok. On a un sens d'humour, mais les pèlerins seraient perdus sans sa force et ses conseils. Excusez-moi, mais la vie est courte, ok. Vous savez, je n'ai pas. Je sais être aussi. Je sais aussi être sérieux quand il le faut. Qui sait, peut-être que je pourrais vous être utile. C'est tard. Ah bon, je peux confesser, hein. Allez, on confesse toujours. Ok. Et du coup, tu me proposes pas le dodo, toi, hein. Non. Ok, et donc du coup, là je sors. Ah ok. Je crois qu'on va devoir passer la nuit ici, pourquoi ne pas en profiter pour faire la fête? Une fois qu'on croise des gens qui semblent avoir besoin de notre aide, ouais. Une fille, hein. C'est ce qui intéresse Killian. Tu aurais dû voir comment il regardait Lala tout à l'heure. Mais bon, ça me regarde pas. Et ce n'est pas Killian qui va m'empêcher de m'amuser. Je veux goûter ce nectar que tout le monde boit. Oh, moi aussi, j'adore goûter de nouvelles choses. Et ça sent vraiment bon. Je renifle l'odeur depuis tout à l'heure et ça me donne envie de lécher les babines. Les déplacements de camions là qui font. Ça me fait toujours triper. Oh non, je suis tout seul. Oh, regardez, je suis tout seul. Moi, je suis tout seul, moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois parler à tout le monde, j'imagine. Hein. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas envie de danser, moi. Ok. La Maribel, elle est là. Un peu le mal du pays. Le temps en colère, ouais. Au final, c'était un mal pour un bien. Ouais. Toi, tu fais quoi, mon pote? Ok. Il est où mon pote là? Ah, il est là. Et Flito, cette danseuse elle, elle est magnifique, tu ne trouves pas? Oui. Elle est incroyable et cette façon qu'elle a d'attirer tous les regards sur elle, j'aime ce genre de fille. Je me demande ce qu'elle a. Je me demande ce qu'elle a ce soir, en revanche, c'est la seule qui ne fait pas la fête. Je viens de la voir se réfugier sous cette tente. Elle a l'air préoccupée, je me demande ce qui se passe. On va aller voir. Bonjour, tu es jeune Gadjo. Moi c'est Lala, la danseuse des pérégrins. Et toi, comment tu t'appelles? Flito, je vois. Ça a dû te faire drôle d'arriver en plein milieu du rituel. Nous sommes un peu différents, mais nous devons accomplir notre destin. Et moi, j'ai un grand rôle à jouer. Je suis marqué depuis ma naissance, alors je ne peux pas y échapper. Et tu redis la même chose. Ok. Parlez, il semble aller bien. Ouais, vraiment? Bon, elle avait l'air triste tout à l'heure, je commence à m'inquiéter pour elle, tu sais. Et je sais, je devrais lui proposer de venir boire un verre avec nous. Vas-y, faisons. Va nous chercher du nectar. Mais je sais pas où c'est le nectar, moi. C'est toi qui as du nectar? Vous voulez importer un peu? Oui. Merci. Oui, allez, elle va être complètement bourrée, vous allez voir.
cette animation à chaque fois. C'est un nectar, oui. Les bandes de Google, vous pouvez pas y aller à deux, non? Ce nectar de la danse est délicieux. On ne boit pas ce genre de choses au château de Mellor. Château de Mellor, je ne suis jamais allé. Où se trouve-t-il exactement? Quelque part, assez loin d'ici. Ce n'est pas un très grand château, tu sais. Et il paraît que le prince de ce château a la fâcheuse habitude de s'enfuir parce qu'il ne veut pas être roi. Oh, vraiment? Peut-être que ce prince, nous avons quelque chose en commun, alors. Pardon? Moi aussi, j'arrive parfois d'échapper à mon destin. Mais t'arrives d'en avoir assez de devoir danser sans arrêt tous les jours, de détester le fait d'avoir à chanter. Et je crois que je me serais enfui depuis bien longtemps s'il n'y avait pas eu Django. Django, ah oui, il a l'air gentil. Mais allez, levons notre verre, assieds-toi, Fulito. Là 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 là, tu es là? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Attends, de là là. Django, attends, c'est ma faute. Killian et Fulito m'ont juste apporté un verre de nectar dedans, c'est... Une nectar de danse? À quoi vous jouez tous les deux? Vous avez une idée à la tête ou quoi? Django! Tais-toi, là là! Allez les gadgets! Ah ouais! Non! Merde, je le savais! Vous croyez que c'est séduire ma fiancée? Merde, j'ai dit oui, mais je voulais dire non. La jalousie de Django l'a rendu furieux, mais Fulito parvient à le calmer. Django s'excuse d'avoir réagi violemment. Moi je dis oui, je voulais dire non, mais j'ai cliqué et ça a pas fait et je me dis oui. Merde, mais je sais pas ce que ça aurait fait si j'avais fait non, à mon avis ça aurait été pareil, ça serait énervé. Il aurait dit mais oui c'est ça, et voilà. Ah! Attention Kélian, attention! Ah mais c'est quoi ce truc? Je crois que je lui fais peur. Papa, tu vas bien? Dis quelque chose. Désolé, là, je baisse ma garde un instant, mais ça va. Papa, ne bouge pas, je vais chercher Madame Rosa. Et je vois Kélian, tu n'as rien? Moi, je vais bien, j'ai pas une garde d'ignure, mais t'en fais pas pour moi, je dois t'occuper de ton père d'abord, et vite. Oui, merci de m'avoir sauvé, je reviens tout de suite. Ok. C'était un peu long, hein, quand même, je trouve. C'est que de la cinématique, c'est... Plutôt, tu es là depuis longtemps? Assez pour voir que tu t'es pris de la glace dans la tronche. On a eu chaud, tu sais, ce monstre n'était pas spécialement puissant, mais il a quand même réussi à entrer dans le camp. Heureusement que j'ai remarqué que Lala était sortie de la tente et que je suis sorti à sa recherche. Elle était dehors et elle a commencé à discuter quand... Et ne me regarde pas comme ça. Tu crois que j'avais une idée derrière la tête? Non. Fou, ne sois pas ridicule. Pour qui tu me prends? Je n'aime pas mon genre de faire des avances. Bref, sans qu'on s'y attende, ce monstre a surgi de nulle part. Ça aurait été marrant si je dis oui. Nous attaquer. J'ai tout fait pour repousser et Gabor est arrivé. Le pauvre, il a pas vu qu'il y avait un autre monstre juste derrière lui. Et toi, pendant ce temps-là, tu étais en train de ronfler? Ben ouais. Mais pourquoi il marche en ligne, c'est con? Madame Rosa, est-ce que vous pouvez soigner mon père? Patience. Mon père s'est fait empoisonner. Mais n'aie crainte, mon enfant. Ces gens ne sont pas comptés. Alors qu'il se repose. Partons pour l'hôtel du Tout-Puissant demain. Nous ne pouvons pas abandonner ici. Bah si. Non, pas le choix, mon enfant. Tu dois rester à ses côtés. Vous nous rattraperez une fois qu'il sera rétabli. Je resterai ici pour les protéger. Et je les protégerai pendant. Ah, Kélian. Kélian, c'est ça. Vous qui avez vu ce que rue Lala tout à l'heure. Êtes-vous sûr que ça vous pose pas de problème? Je suis certain, j'ai déjà combattu de nombreux monstres, j'ai peur de rien. Ça te va, Fulito? Si moi je reste ici? Ouais, par contre, mec, t'as des trucs, hein? T'as des équipements? Enlève pas mes équipements, toi, hein?
Ok. Oh, faut que j'enlève Kilian du layout. Faut que j'enlève Kilian du layout. Bah, je le ferai en off, sachant que... Enfin, je le ferai pour la prochaine fois, du coup, pour le prochain épisode. Le problème, c'est que c'est... Si vous voulez, comment vous expliquer? Regardez, je fais ça, voilà. Mais en fait, je peux pas... Je peux pas enlever un seul, parce que c'est pas des images... En fait, c'est à chaque fois un layout où je rajoute une image. Donc, du coup, il faudrait que je le refasse, où les images sont à part. En PNG. Ou alors je fais à chaque fois... Oh mais putain c'est chiant de faire ça. Oh, le mieux en fait c'est de mettre les images à part et de les mettre directement sur sur OBS les PNG et que je le mets moi-même. Donc il faudrait que je reprenne ça à chaque fois. C'est chiant. C'est chiant, c'est faisable hein. Mais c'est chiant. Mais c'est chiant. Ouais bon je verrai mais voilà. Voilà voilà. Bon, bienvenue pour nous de partir, jeune Lala. Prends bien soin de Gabor. Ouais. Madame Rosa, nous nous rejoindrons à l'hôtel du Tout-Puissant une fois que mon père sera en mesure de se déplacer. Vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger Lala et son père, n'est-ce pas? Ouais. Bien sûr, je verrai coûte que coûte. Maribel, tenez bon jusqu'à ce que je vous rejoigne, d'accord? Ouais. C'est bon, espèce de crâneur, on se débrouillera très bien sans toi, merci. N'oublie pas que tu as des responsabilités. Oui, oui. Si vous êtes prêts, nous devons y aller. Ouais, ouais, mais non, en fait, je vais sauvegarder quand même. Et je vais m'arrêter là, je pense, parce que l'épisode commence à être bien long. Il n'y a que de la cinématique. C'est vrai que c'est pas mal de longueur. Oh non, encore. Ah, je veux rester ici. Ne pas laisser Malala entre les mains d'un homme. Encore moins d'un gajo. Django cesse d'être... irascible et égoïste. Sans toi et son sistre, comment ferons-nous pour éloigner les monstres? À moins que tu n'aies que faire des autres membres du clan. Comprends-tu pas l'importance de notre mission? Bien sûr que si, mais Rambaro, je... Oh, Rambaro, l'avant-garde est partie. Dans ce cas, nous devons mettre à la... Dès que le plutôt... Partons l'hôtel du puissant. Trouve dans un lac de l'autre côté des montagnes, allons ici, ne tardons plus. Vers les montagnes, t'as bien un campement pour la nuit. Rejoignez-nous sur place. Soyez. Ok. Est-ce que je peux sauvegarder? Ça, c'est vraiment important. Hein. Parce que là, il n'y a plus personne. Oh non, il n'y a plus personne quand même. Tu peux pas me faire sauvegarder toi? Oh purée mais attendez, je fais comment? Comment je fais? Parce que je veux m'arrêter là. Oh non mais y a plus personne. Oh mais c'est nul. Ah là par contre... plus personne qui peut me faire ah ouais non mais oh ouais bah, là y a personne non plus. Non je vais faire une sauvegarde rapide mais ça m'embête quand même. Ok. Et il est loin leur truc. Mais après il y aura de la cinématique je pense. Y'a personne qui peut me faire sauvegarder. Bon bah écoutez, je vais moi je vais déjà faire une sauvegarde d'émulateur, ce sera mieux. Bon on va s'arrêter là, je vais faire une sauvegarde d'émulateur et une sauvegarde rapide. Donc sauvegarde émulateur, je vais sauvegarder ici. Voilà. Et je vais faire une sauvegarde rapide et puis bon on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, puis bah nous on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Allez, bye tout le monde.